du CCPKM 67. Aujourd'hui, comme d'hab, on se retrouve, enfin comme d'hab, on se retrouve toujours. Deuxième display XY4. Je savais pas trop si j'allais l'ouvrir en vidéo, mais bon, je le fais quand même. Avec mon pseudo nouveau concept. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça va être un speed unboxing. Donc là, je parle un peu, donc du coup, ça sera pas rapide, mais juste pour vous montrer un peu ce que je vais faire. En fait, quand je vais avoir, si je reçois plus d'un display et que je compte les ouvrir en vidéo, donc je vais faire le premier rapidement et les autres, je vais les faire. Enfin, je vais faire le premier normalement, excusez-moi. Et les autres, en fait, je vais les faire rapidement. Du coup, je vais un peu vous montrer comment ça va se présenter. Donc voilà, je vais commencer par ouvrir. Ceci. Alors, je vais pas faire si je fais un vrai speed unboxing, je vais faire ça comme ça, blablabla, je sors la reverse et la rare, donc voilà, le Lufori. Mais c'est juste que moi j'ai, pour classer ça va être plus simple, donc du coup j'ai qu'à faire comme ça, rare reverse, et voilà, comme ça moi j'ai c'est bien rangé de suite quoi. Donc du coup voilà, ça c'est mon idée de speed unboxing, parce que de toute façon les boosters c'est vu, revu, revu pour les communes, peu communes, et donc du coup on attaque tout de suite les reverse et les rares. Donc carabine en reverse et trioxyde en holo. Bien sûr après je m'arrête sur les holo et sur les ultras et tout ce tralala quoi. Mais ça évite de passer, de remontrer les communes et les peu communes. Enfin, je sais pas. C'est à vous, vous me dites si vous voulez que je... Pour les autres displays, hein, pas pour les premiers hein, que j'ouvre chaque fois, mais pour la suite. Si vous préférez que j'ouvre normalement ou que ça soit un speed directement. Donc, Krabi en reverse et... Ouh, Spiritomb en rare. Moi joli. Ouais, que ça soit rapide comme ça ou que j'ouvre normalement. Et généralement les autres ils... Moi, je dis les autres. Les autres youtubeurs. Hein, j'ouvre tous en basique. Graiena en rare reverse. Et Megavolt en rare. C'est vrai que là, ça débite. Puis c'est quand même mieux que chaque fois de se retaper des communes, les peu communes et tous ces trucs là. Bon, j'ai qu'à faire comme ça. Oula! Donc Funessir en reverse et Ectoplasma X. Ah putain, sympa. Hein. Elle est jolie quoi, avec toutes les boules là, ou je sais pas ce que c'est, ou les Smarties. J'en sais rien. Mais quoi, elle déchire. Ah, je suis content, ça commence plutôt bien. Par une ex que je n'ai pas. Enfin, je vais voir aussi si dans le display je reçois aussi les deux cartes de la Team Flair. Donc couverture. Scorvol en rare. J'ai peut-être changé la façon de jouer. Limite, ça me fait chier chaque fois de faire un 2-3. Ah, mais les trucs, elles sont là. Hop. On a un Gigalith en Holo Reverse. Et un lance-argot. C'est vrai que pour les gens qui n'ont pas vu ou peu vu les cartes, c'est un peu dommage, mais bon, après. On a quelque chose. Alors, un larveillette en reverse et en rare.
Voilà là! Méga ectoplasma secrète. Oh, génial. Oh là là. Excellent. Pouf, elle est jolie, hein. Oh merde. C'est juste trop bien. 121 sur 119. Pardon. Oh là là. Moi, je suis content, quoi. Comme ça le fait. Allez. Et on a un Colimucus en reverse et un Graiena en rare. Kaiminus reverse et Flambusard en rare. Ouais, du coup, ça va quand même légèrement plus vite. Hein. C'est limite comme les mini openings là, enfin les mini unboxing que je fais. Il n'y a presque rien. Et on a, spoil, un Tierno en reverse. Et on a donc eu Banchitrouille en holo. Donc voilà ce que j'avais dit en premier display, c'était quand même une holo. Du coup là on a déjà eu deux holos, une ex, une secrète. C'est plutôt pas mal. Voilà, un Manternel en rare reverse et un Excavarenne en rare. Allez, voilà, je vais faire des speeds et en fait c'est les boosters qui ne veulent pas s'ouvrir, c'est la grosse blague. Bon ben, booster tout dégueulasse. Muna reverse et Avaltou en rare. Et on a Chakripan en reverse et ah, Igolta en holo. Ça c'est cool. Elle est bien en holo finalement. J'aime bien ce Pokémon. Notre Spiritomb qui est super joli donc en rare reverse et encore un Brouabam en rare. Il y a 3 boosters. On a Eivosso en reverse et Yalmega en rare. Avant-dernier booster. J'ai fait un peu de la merde. Ah bah, loupé. Brésillon en reverse. Ouf. Focus. Brésillon en reverse. Et Cap Canaille en holo. Est joli hein, oh, c'est coloré. L'équipe fait là, ils sont très colorés quand même. Et dernier booster.
Et on a e-tron, e-tron en holo reverse et Areomite en rare. Donc voilà ce petit speed opening. Enfin, speed opening. Voilà, vu que j'ai un peu beaucoup parlé, voilà, 10 minutes. Voilà, je vous remonte vite fait ce que j'ai eu. Donc en holo, Cup Canaille, Igolta, Banchitrouille. Citrouille Trioxyde, et en X on a eu Ectoplasma X et Mega Ectoplasma X en secrète, juste magnifique. Moi j'ai tourné les deux parties à la suite, et puis j'attends vos retours justement par rapport à ce speed opening. Et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner, à m'ajouter sur Skype, à me suivre sur Facebook et tout le tralala, c'est gratuit. Et puis moi je vous dis à bientôt sur pour une nouvelle vidéo. Salut.